rando de 18 km environ autour du lac de l'Arguenon, sur les communes de Plorec-sur-Arguenon et Plévin. Lac de 200 hectares avec cette cabane accueil à l'entrée du barrage de la ville Hatte, barrage à double arc, et son usine de production d'eau potable datant de 1973. Le tumulus de la Tour Basse, rive droite côté Plorec, c'est une grosse butte de terre surmontée à l'origine d'une tour de guet et ceinturée d'un fossé d'eau datant du Moyen-Âge pour surveiller l'entrée du lac. Aujourd'hui, la butte et le fossé sont toujours visibles. Beaucoup de vent. Bon, ça fait 5 minutes que je suis là et toujours rien. Bon allez, bon. Je vais faire une petite sieste, moi. Bien dormi, moi. Par ici la monnaie, ça me sera plus utile qu'à toi. Ceci est une fake news, évidemment. J'ai rendu l'argent, la preuve en image. Voilà. Début de la pluie sur un chemin accidenté. Des passages parfois exigus. Compliqué avec le barda et glissant en plus. Sur le chemin, pas mal d'arbres abattus par le vent. Information pour les pêcheurs. La pluie par intermittence et les arbres couchés. À mon avis, un souvenir funèbre placé à côté d'un ravin. Une autre motte et une grosse douleur au genou pour moi qui m'oblige à bivouaquer plus tôt que prévu et écourter ma rando. Mal dormi malgré le calme des lieux. Super parcours à refaire, moins chargé et partant plus clément.